petits amis, vous venez en faisant du air ballon. C'est la première fois on fait du air guitare d'habitude. Vous, vous voilà réduit à faire du air ballon. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on va jouer à un jeu de foot dans chez Marcus. Et j'aime tellement pas le foot que je n'ai pas de ballon à la maison. Donc il n'y avait pas de quoi faire trop. Il n'y avait pas de ballon de foot, mais même de ballon tout court. Le seul ballon que j'ai, c'est l'étoile noire. Voilà. En plus, ça fait les bruits. Attendez, je vous fasse écouter. Et il y a une petite bille là-dedans qu'il faut faire circuler tout le long de ce labyrinthe, avec en plus le bruit de Dark Vador et tout, des bruits de sabre laser, des trucs incroyables. Bref, je suis pas là pour vous parler de ça, c'est mon cadeau de Noël, je voulais vous le montrer parce qu'il est quand même assez fabuleux. Mais de Super Party Sport Football. Et oui, un jeu de foot dans chez Marcus. Ça paraît très très bizarre. Évidemment que c'est pas un jeu de foot comme les autres. Le seul ballon que j'aime bien, c'est BB-8, évidemment. Vous allez voir que c'est pas un jeu de foot, c'est un petit jeu très rigolo. Ça se passe sur le Xbox Live, il coûte moins de 5€. Donc franchement, ça vaut le coup de le tenter. Et regardez, déjà c'est la fête. Rien que ces confettis qui jaillissent de partout et ces petits bonhommes avec des bonnes têtes, c'est déjà la fête. Et voilà, on va choisir une équipe. Alors toutes les équipes sont représentées. Espagne, Portugal, Pays-Bas, la Russie, le Chili, la Colombie. J'aime beaucoup la coupe de cheveux des... la coupe de cheveux des Chiliens. Ah ben ça disparaît. Parce que c'est aléatoire à chaque fois. Il y en a un qui avait une bonne coupe Rasta, j'aime beaucoup. On va prendre la France pour faire plaisir aux supporters français, parce que je comprends que vous puissiez aimer le foot, hein. Après tout, c'est excusable. C'est juste les supporters qui sont inexcusables. Enfin, voilà, moi j'ai du mal avec ces gens-là. Mais regardez, des footballeurs qu'on peut habiller avec des chemises à fleurs, avec des smokings. Ça, souvent, pour les remises de prix, mettre des smokings, ça va pas du tout avec leur coupe de cheveux. C'est assez terrible. On peut les mettre en petit lapin, on peut faire des trucs un petit peu bizarres. Même un truc tyrolien, voilà, avec l'ennemi allemand. Je vais leur mettre un petit... Voilà, on va les mettre un peu classe, ça va les changer. Et on est parti. Je vais faire la première coupe, comme ça, vous allez tout de suite comprendre de quoi il s'agit. Voilà, plein de niveaux, il y en a 10 par coupe. Et vous allez voir qu'en fait, c'est pas du tout du foot. Enfin, quoi que si. C'est vraiment comme un match de foot. Le but du jeu, c'est de marquer un but. Et pour marquer un but, il faut défoncer tous les joueurs adverses un par un. Ça, c'est l'esprit du foot, comme je le déteste. Voilà. Donc moi, je suis le petit à gauche avec le ballon. Et regardez, je vise, je passe à mes camarades. Je décapite allègrement quand même les joueurs adverses. Voilà. Et une fois que ça s'est fait, le ballon est enflammé. Et là, il peut rentrer dans les buts. D'accord. Donc je refais une passe vers l'avant. Voilà. Et but. Voilà, je viens de finir un niveau. Évidemment, là, c'est les premiers niveaux. C'est pour vous expliquer un peu comment ça se passe. Et tout ça doit se faire en un temps minimum. Enfin, vous avez un temps limité. Et vous voyez que si je fais ça à 10 secondes de la fin, à 20 secondes de la fin, à 30 secondes de la fin, j'ai des coupes en plus. Et le nombre de coupes permet de débloquer les autres championnats au fur et à mesure du truc. Donc vous voyez, c'est plus comme Worms que comme PES. Dans le sens où on passe d'un joueur à l'autre avec, vous voyez, cette espèce de jauge que je dirige et qui me permet de viser. Alors je peux viser plus ou moins fort. Ça, c'est assez mal foutu, mais on peut viser plus ou moins fort. C'est très délicat et pas très pratique. La plupart du temps, on vise très très fort et c'est suffisant. Donc là, vous voyez que le compte n'a pas encore commencé et je peux me déplacer pour voir, voilà, but du jeu, et arriver ici en ayant dégommé tous ces petits bonhommes qui font un peu les malins. Donc je vais déjà dégommer celui-là, ça en fera un de moins. Hop, et j'ai fait une passe audacieuse à mon camarade. Voilà, lui il va défoncer ce mec qui est très mal rasé. Voilà, il récupère la balle. Donc c'est tout simple, hein. Il y a le stick pour choisir la direction de la balle et un bouton pour appuyer. Et puis évidemment, tout ça va se compliquer un petit peu au fur et à mesure. Voilà, je défonçais tout le monde. Je peux marquer mon but. Et si j'ai fait ça dans un temps acceptable, voilà, 3 coupes, ça va. Là, je commence à être habitué un petit peu. Voilà, vraiment, j'aime pas le foot, mais ce jeu m'a vraiment surpris et beaucoup amusé, en fait. Finalement, c'est beaucoup plus Angry Bird qu'un jeu de foot. Et on se marre bien à essayer de trouver à chaque fois comment on va réussir à sortir de chaque niveau. Là, faut que j'arrive à envoyer ce type avec une coupe de cheveux improbable, comme tous les footballeurs. Comme quoi, c'est assez réaliste, hein. Les coupes de cheveux de merde qu'ils ont, les mecs. Mais c'est la police du bon goût devrait intervenir. C'est inacceptable, des coupes de cheveux comme ça. L'autre jour, j'en avais un qui récupérait un prix. Le mec, il avait une coupe de cheveux dégueulasse. Il était avec un smoking dégueulasse et des pompes en léopard. Enfin, le manque de goût de ces gens-là, c'est au-delà des mots, vraiment. Donc c'est pour ça que je leur ai mis un petit costard pour essayer de rattraper un peu le coup. Alors, regardez, je vais essayer de viser là. Vous voyez que ça commence à devenir un peu plus touchy. Parce que par exemple, il faut que j'arrive à bien viser mon camarade qui est en face, tout en dégommant l'autre à côté. Voilà.
Et là, il a des vermicelles sur la tête. Alors, quand j'ai tiré une balle, regardez, si je tire une balle en l'air, loin, si je rappuie, hop, je récupère la balle tout de suite et je peux recommencer. Ça permet de recommencer mon tir, ça permet de gagner beaucoup de temps. Voilà. Alors là, tout le problème, ça va être de redescendre là, dans les buts. Vous voyez, ils sont là, les buts, et c'est pas évident d'aller arriver jusqu'au but. Donc, je vais recommencer. Voilà. Peut-être que lui peut y arriver, mais il faudrait qu'il tire pas trop fort. Regardez, il reste plus que quelques secondes, et voilà, le but! Donc là, il faut trouver le bon angle, la bonne force de frappe de la balle, ça commence à devenir touchy. Et vous voyez que j'ai pas de coupe, parce que j'ai fini dans les temps, mais j'ai pas fini rapidement. J'ai un peu trop perdu de temps. Et c'est important d'avoir les coupes, parce que sinon, vous n'ouvrez pas les championnats suivants. Là, vous voyez que j'ai des ballons aussi un peu truqués. Celui-là est gratuit. Il y a ce ballon-là qui empêche les joueurs de disqualifier, parce que de temps en temps, il y a quand même des arbitres qui surveillent le truc. Et il y a ce ballon-là qui donne des secondes supplémentaires. À chaque fois que vous touchez un gars, ça peut être utile dans certaines circonstances. Voilà, bon, lui... c'est fait, je récupère mon ballon. Regarde sa tête qui roule à mes pieds. C'est violent le football quand on vous dit que c'est violent. Voilà. Alors là, regardez, si je tire au but tout de suite, ça passe pas parce que mon ballon n'est pas enflammé. Pour être enflammé, il faut que j'ai vraiment défoncé tout le monde avant. Donc c'est pas évident. Je vais un peu baisser mon tir pour le renvoyer vers mes petits camarades. Donc il y a un petit côté worms quand on lance des grenades, vous voyez, est-ce que c'est assez, est-ce que c'est pas assez? Là il faut un peu plus. Là vous voyez, je vais pas réussir à faire le truc dans les temps, je n'aurais pas dégommé tout le monde. Alors il en pleure. On dirait Elie Semoun. C'est terrible. Alors je vais le refaire, on va le refaire et on va essayer de le passer. Donc vous voyez, ça commence à devenir un petit peu touchy. Mais en tout cas, ça reste toujours très très rigolo, moi je suis... gros fan de Angry Birds, autant je comprends pas l'engouement pour Candy Crush, autant Angry Birds j'adore. Vraiment. Ah 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 ah, si ça pouvait rouler jusqu'à moi, oui. Donc oui, il y a un petit moteur physique aussi qui décide de l'endroit où la balle va tomber. Alors lui il a un casque, donc il va falloir le toucher deux fois pour arriver à le dégommer. Voilà, lui il se croyait caché, mais je l'ai vu. Et les pièces que vous voyez là sur les côtés me permettent de récupérer de l'argent pour leur acheter des petites tenues et pour acheter donc des ballons un peu truqués. Ah là, il en reste un, j'en ai oublié un. Où est-ce qu'il est? Il reste plus que quelques secondes là. Le blondinet, l'italien là. Voilà, et ça, ça va dans les buts directs à 20 secondes de la fin. Peut-être droit une petite coupe, peut-être. Ouais, deux petites coupes même. Allez, on continue. Voilà, je sais pas combien j'en suis, après je changerai de coupe, il y a vraiment pas mal de trucs et puis ça s'étoffe au fur et à mesure et à la fin ça devient des trucs de fou avec des plateformes mobiles, avec des mécanismes activés et tout. Enfin, ils sont partis d'un principe qui est très simple et ils ont vraiment su le décliner de manière intelligente et rigolote. Voilà, ça y est, je crois que j'ai tout le monde, il y a lui qui fait son malin. Je peux y aller. Et but. Et voilà le travail. Et puis les musiques. J'adore. Un peu répétitif quand même les musiques. Alors, ces coupes. Moi c'est les coupes de cheveux, je ne peux pas. Alors, allons-y. Alors là, le gars avec la grosse tête, il va falloir lui l'assommer deux fois pour en venir à bout. Une seule fois ne suffira pas. Et puis surtout, il a tendance à charger les joueurs. Vous voyez, là, il est assommé et j'ai quelques secondes pour le taper une deuxième fois. Si j'attends trop longtemps, il reprend ses esprits et il faut tout recommencer. Et l'autre truc aussi, c'est que souvent, ils sont assez nerveux, ces gars-là. Ouf, ça aurait pu. Et ils ont tendance à foncer sur le gars qui a la balle. Regardez, je vais le laisser faire. Voilà, pour lui mettre un coup de boule, donc c'est un peu le Zidane de ce jeu. Il se précipite sur le gars pour lui mettre un coup de boule. Donc voilà, moi je lui ai mis premier coup de ballon, deuxième coup de ballon. Vous voyez, j'ai récupéré la balle tout de suite. Alors ça, c'est un peu bas. Voilà. Ouh, ça va être un... Je vais être un peu court. Je vais être un peu court. Mais c'est peut-être faisable. Oui. Ça y est, regardez, je crie comme un vrai supporter de foot, c'est dingue. Je pensais que ça m'arriverait jamais, bah voilà. Je viens comme tout le monde. Non, la bêtise des supporters de foot. Il y en a quand même qui ont été jugés la semaine dernière parce qu'ils étaient allés saccager le mariage d'un autre supporter de l'équipe adverse. Donc, ils sont allés casser le buffet de mariage, sauf qu'ils se sont trompés de mariage. C'est des mecs qui n'avaient rien à voir avec le foot. Voilà, donc ce genre de comportement débile, c'est pour ça que j'aime pas le foot. C'est plus pour les gens qui le regardent que pour les gens qui le font. J'ai eu la chance de croiser des mecs comme Thuram, par exemple, Lilian Thuram, qui est un mec adorable. On avait fait
Level One à l'époque avec lui. Et ça s'était super bien passé. Donc je pense que certains footballeurs sont assez cool. Mais quand je vois la coupe de cheveux de certains autres, c'est pas possible que ce soit des gens normaux. Voilà, lui je l'ai bien assommé. Là je vais utiliser le rebond pour aller taper Monsieur Grosse Tête. Allez, deuxième. Ah non, alors il faudrait que je tape un peu plus bas. Allez, un deuxième. Eh oui, non. Tout de suite, j'enchaîne. Voilà, là, vite, je vais le dégommer avant qu'il voit que j'ai la balle. Oh non, j'ai tiré du mauvais côté. Oui. Allez. Oh non, ça suffira pas. Plus que quelques secondes, faut pas que je tire trop fort, parce que sinon, cette butte va arrêter. Voilà, c'est chaud. Ah, une demi-seconde de la fin. Je suis deg. Bon, je passe quand même au niveau d'après. Vous avez compris le principe. Là, j'étais à une seconde du truc. Donc après, tout se joue dans le timing. Je trouve ça vraiment rigolo, quoi. Ah, là, ça commence à devenir un peu chaud. Regardez, j'ai effrité cette plateforme qui a fait tomber Monsieur Grosse Tête. Ah, est-ce que la balle va arriver jusqu'à moi? Oui. Et voilà, coup de boule. Alors là, j'aurais du mal à m'en sortir sans le joueur qui vient d'être... Vous avez vu que mon joueur a été éliminé. On voit sa tête qui roule. C'est Game of Thrones, hein. Là, ça commence à devenir assez chaud. Donc là, à mon avis, c'est mort. Je vais quand même le tenter, mais... Hop, une deuxième tout de suite dans sa face. Voilà. Hop, et tout de suite, je retire. Donc, faut pas oublier, voilà, de rappuyer une deuxième fois pour tout de suite récupérer la balle. Ne pas attendre qu'elle arrive à destination. Vous prenez un autre ballon. Là, voilà. Je l'ai eu, donc je peux repartir de l'autre côté. Tranquillou, oui, ça passe, c'est pas mal. Il faut que ça revienne jusqu'à moi. Non, je suis idiot, ça ne peut pas passer, ça. Il faut que... Ah, j'ai 8 secondes. Oh, allez, on tape un tout petit peu plus fort. Il me reste un joueur. Ah non, ça suffira pas. Ah, il manquait pas grand-chose. Hein. Allez, niveau suivant. Je vais vous faire voir un petit peu où on en est dans le championnat. Ah voilà, 10, ça y est, je vais avoir fini le premier truc. Vous aurez vu les 10 premiers niveaux. Je vais essayer de vous en faire voir un peu plus après. Alors ça, c'est chaud. Il faut que j'arrive à taper au bon endroit. Le ballon rouge, là, c'est une balle... Ah voilà, super, je vais pouvoir vous faire voir. Je vais me débarrasser de lui. Voilà. Là, regardez, je vais taper le ballon rouge et ce ballon met KO tout le monde. C'est-à-dire que même si les mecs ont même s'ils ont des grosses têtes comme eux ou des casques, ça les dégomme du premier coup. Donc ça, c'est assez pratique de ce côté-là. Allez, ouais, très belle passe. Vous avez vu la passe un peu en hauteur, c'est quand même la passe assez improbable. Ça, c'est chaud, il faudrait que je fasse un truc comme ça. Voilà, allez. Voilà, il reste plus que lui. Et but. Voilà, ça c'était le dernier. Il y a vraiment des niveaux qui sont super durs et le timing est très serré et ça devient super difficile. Je vous fais voir où on en est dans les niveaux un petit peu. Et puis je vais peut-être en profiter pour changer. Donc ça c'était la première coupe, je viens de la faire. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de coupes à faire. Et à chaque fois, il faut un certain nombre de coupes en or pour pouvoir passer au niveau suivant. On va aller faire la deuxième où apparaissent les premiers arbitres. Et voilà. Bon, j'aime bien. Et puis 5 euros, franchement. À la limite, je veux bien vous les rembourser si ça vous plaît pas. Parce que c'est vraiment... Ah oui, regarde là, l'arbitre m'a vu. Et donc, il m'exclut du terrain. Hop, je disparais. Donc, je joue avec un joueur en moins. Heureusement, il m'en reste deux. Ça se voit en haut à gauche, le nombre de joueurs qui me restent sur le terrain. Voilà, là, je l'ai dégommé. Donc, soit faut ruser et faut essayer de... Comment ? De faire en sorte que l'arbitre ne voit pas les fautes. C'est génial parce que quand même, les mecs se décapitent sur le terrain et il y a quand même un arbitre qui est là pour dire « Oh non, mais il y avait quand même une petite faute là. » Alors là, c'est un peu chaud. Il faudrait que j'arrive à... Hey, parce que je joue avec un joueur en moins. Je vais le refaire. Avec un joueur en moins, ça devient difficile là. J'avais besoin de ce joueur comme une sorte de relais pour arriver à l'autre bout du terrain, évidemment. Puis côté Olive et Tom aussi. Puis il y avait un jeu, je me souviens plus, il y avait un jeu de plateforme qui devait s'appeler Diego ou un truc comme ça, où on jouait un petit footballeur aussi. J'aimais bien, c'était un vieux jeu, c'était sur Mega Drive. Alors là, j'ai tapé l'arbitre, ça ne se fait pas, j'ai qu'un carton jaune. Ça va être chaud, il va falloir passer au-dessus de l'arbitre là. Je sais pas comment
Je sais pas comment je peux faire ça. Allez, rattrape. Ah non, un peu court, on va relancer. Ça va être un peu chaud. Non, c'est mort. Donc vous voyez, là, il faudrait que je trouve un moyen de contourner cet arbitre pour pas me faire expulser du terrain. Ou alors j'achète le fameux ballon qui m'évite les expulsions. Ça peut être une façon de s'en sortir. Bon, je suis passé à un autre niveau, histoire qu'on envoie le maximum. Alors lui, il a un saut sur la tête, ça va pas mieux. Et en plus, il a une grosse tête. Voilà. Ceci dit, si j'avais pris le ballon tout de suite, le ballon rouge là, voilà, je me retrouve avec un ballon beaucoup plus dangereux pour tout le monde. Et là, on fait pas dans les détails, ça devrait même défoncer l'arbitre. Vous avez vu? Comme quoi, c'est vraiment un jeu de voyous. C'est assez réaliste. C'est même plus tacler les mecs là. Si la tête roule par terre, c'est au-delà du carton rouge. C'est pas la couleur du carton qu'il faut sortir dans ce cas-là. Ah, là, regardez, il va falloir que je démolisse les plateformes sur lesquelles se trouvent ces types. Mais évidemment, il y a des plateformes mobiles qui m'embêtent. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais au sol, il y a des piquants qui crèvent la balle. Vous avez vu? Donc, ça veut dire que la balle ne va pas rebondir. Voilà, hop. Oh, il a fait un petit blocage. Donc là, il faut que j'arrive à passer la balle à mon camarade par rebond, puisqu'il n'est pas question qu'elle touche le sol. Ouais, un peu plus. Alors, si, essayez comme ça, peut-être. Voilà, avec le rebond sur le mur invisible extérieur, ça marche. Je dégomme lui et but. Ça commence à devenir pas mal, hein, un point de vue stratégie, je trouve. Oh, je suis un peu dans le noir. Attendez, les amis, qu'est-ce qui se passe? Voilà, vous me voyez mieux? Vous me voyez. Allez, je passe au suivant. Ça vous plaît? J'aime beaucoup, mais j'espère que je ne suis pas le seul. Bon, encore une fois, pour 5 euros, ça va. On risque pas grand-chose. Donc, oh, vous avez vu, pas mal. Avec le rebond, je m'en suis bien sorti. Faut juste que la balle ne touche pas les pics. Voilà, sinon, on est mal. Je vais l'envoyer un peu plus haut en l'air. On va bien voir où ça retombe. Oh, parfait. Et voilà, et maintenant, but, et on n'en parle plus. Parfait. Je continue d'avancer, comme ça vous allez voir des trucs de plus en plus complexes. Il y a aussi des ballons en métal qui ne subissent pas les pics, enfin en tout cas qui résistent aux pics. Là, il faudrait que j'en trouve, ce serait pas mal. Là, regardez, il va falloir que je rebondisse habilement entre les pics. Donc pas du tout comme ça, voilà, pour arriver jusqu'à lui qui va faire la passe à lui. Et là, on va s'occuper de ce gros Australien, puisque à chaque fois que vous avez vu qu'on affrontait une équipe différente. Ah là, c'est chaud. Ah là, je sais pas comment le faire, faut que je passe comme ça vers le haut, mais c'est trop tard. Allez, je le refais. Donc vous avez vu, question de timing, il y a vraiment des moments où c'est chaud, quoi. Hop, non, un peu plus haut, poil plus haut, voilà, voilà. Par moment, faut arriver à se creuser la tête pour savoir par où passer. Là, je voudrais faire la passe à mes camarades qui sont de l'autre côté. Ça marche pas. Et si je visais le nez de ce dirigeable, la même chose mais un peu en dessous. Ouais, c'était ça, c'était l'idée. Bon, allez, je vous l'épargne. On va aller, je sais pas quel niveau on en était. Je vais retourner dans les niveaux. On va aller faire le 8 ou le 9. Ça commence à devenir un petit peu chaud. Et puis après, je changerai de coupe, histoire que vous voyez encore d'autres choses. Alors, tout de suite, ça pète. Alors, regardez, si je rebondis, hop, par l'extérieur, là, regardez, ma balle est devenue en métal. Et donc, elle ne craint plus les pics maintenant. Alors, qui manque? Oh vache. Ah oui, non, ça c'est pas infini non plus mon histoire. Là, je vais avoir besoin de lui. Vous avez vu que je gagne quelques secondes à chaque fois que je libère, que je dégomme un des joueurs. Ah, je suis passé au niveau suivant alors que je voulais refaire celui-là. Bon, c'est pas grave. Allez, encore un ou deux petits. De toute façon, vous avez compris le principe. Ah oui, allez, tout de suite, je repars de l'autre côté. Voilà, ça c'est bien. Très bien. Ça m'arrange. Parfait.
Là, regardez, je libère mon petit camarade. Voilà, je lui passe la balle. Parce que lui seul est en mesure de dégommer cet imbécile là-haut. Voilà. Sans lui, ça paraissait un peu difficile. Une passe, il reste plus que lui et but. Alors c'est un peu toujours les mêmes musiques, c'est dommage parce que... Mais j'aime bien ces petites musiques, je les trouve assez festives. Ça me rappelle Peggle. Souvenez-vous, j'avais fait voir Peggle aussi, ce jeu où on se baladait avec des billes dans des niveaux assez fous. Et à chaque fois qu'on réussissait, il y avait une explosion de feux d'artifice, des trucs absolument incroyables. Et j'aimais beaucoup aussi Peggle. Bah voilà, ça me rappelle un petit peu ça. Oula, là je crois que j'ai choisi un des pires niveaux, un des plus difficiles. Voilà, là je le fais tomber lui. Je vais essayer de passer la balle à mon camarade. Ouais, sauf que par là c'est un peu chaud, donc je vais passer par ce côté-là. Donc tout ça évidemment, là je le fais assez vite, mais c'est des dizaines d'essais de balistique pour arriver à trouver par où il faut lancer les trucs, qui dégommer en premier. Il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à faire. Alors là par exemple, que je fasse un tout petit ballon, voilà. C'était encore pas assez. Et là, faut que j'arrive à dégommer des trucs très très bas. Allez, je change encore. On a encore un peu de temps, Alex? Quelques minutes? Non, il faut dire au revoir. Allez, alors je vais juste à la coupe numéro 4. Prends un au hasard. Allez, le 3, par exemple. Et puis, on va se quitter là-dessus, les petits amis. Voilà, je trouve bien sympa ce petit jeu. Vous l'avez compris. Ah, France-Honduras, un match de prestige. Les Honduras, apparemment, ils ont des casques. Ils ont des casques de guerriers de la guerre de Troie. Alors là, évidemment, ça ne peut pas... Ah si, si, j'ai fait descendre un camarade, donc je devrais pouvoir passer par là, si tout va bien. Là, regardez, au-dessus de ma tête, un ballon pour transformer la balle en balle blindée, qui, avec un peu de chance, va tomber sur lui. Parfait. Voilà, et là, regardez, c'est un peu haut. Il faut donc que j'envoie un tout petit ballon, donc je réduis un peu la force de la balle. Et c'est le but! Voilà les petits amis, j'espère que ça vous aura plu. Moi ça m'a bien éclaté, encore une fois pour 5 euros, c'est pas cher et on se marre bien. Je suis bonheur, j'ai pas fait des recherches, je pense que ça devait exister sur tablette tactile à 99 centimes ou un truc comme ça. Bon, 5 euros c'est pas non plus la fin du monde, c'est sur le Xbox Live que ça se passe. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un jeu sur Xbox One, alors rien que pour ça, ça valait le coup. Je vous le recommande en tout cas, que vous aimiez le foot ou pas, comme moi, vous l'aurez compris. Allez, à bientôt amis footeux et non footeux, soyez sages.